Bonjour à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Laetitia Combe alias Nydenlafee, illustratrice et autrice du blog Cœur avec la chatte, et vous êtes sur Fictifem, un podcast d'exploration féministe dans les méandres de la littérature de l'imaginaire. Et ce mois-ci, je suis avec Axelle Bouet alias Psyché. Bienvenue Axelle. Enchantée, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu es autrice de romans et autrice de jeux de rôle. Et tu es également une très talentueuse illustratrice dont j'admire énormément le travail, je l'avoue. Et tu es également donc l'autrice du blog psyché.org, dans lequel tu livres très généreusement, mais vraiment très généreusement, des illustrations de PNJ, des aides de jeu. Et on peut y trouver les livres 1 à 3 de ton roman Les Chants de Loss, que tu as adapté en jeu de rôle, et qui est nommé cette année au Graal d'Or, un prix qui récompense les meilleures productions de JDR de l'année, et qui sera remis au mois de février, le mois de la publication de cette émission, au Festival international des Jeux à Cannes. Alors Axelle, qu'est-ce qu'on dit? On croise les doigts, on croise les fesses? Finalement, je pense qu'on n'a aucune chance. Ah bon? Non mais sérieux. Ah non, moi, je pense que tu as toutes tes chances. Au contraire. Alors, vraiment du point de vue de mes co-autrices et de mes collègues, réellement, on se fait pas d'illusions parce qu'il y a d'excellentes productions qu'on n'est sans doute pas aussi original que ça dans le jeu. Mais on s'en fiche parce que le simple fait d'être dans la liste est déjà absolument génial, parce que ça prouve que on a réussi à faire quelque chose qui valait le coup. C'était déjà une très très belle reconnaissance. Donc non, je pense pas qu'on puisse avoir le prix. Je ne me fais aucune illusion sur ce sujet, simplement parce que je connais la qualité d'une bonne partie des autres produits et comme on l'a fait remarquer entre nous, si c'est pas l'empire des cerisiers qui gagne, comment dirais-je, c'est que le jury était fatigué. Mais honnêtement, ça n'a pas tellement d'importance pour nous de pouvoir gagner ou pas. Donc, on ne vous empêche pas de croiser les doigts. Hein. Nous, ça nous ferait plaisir, mais on s'y attend absolument pas. Axelle, depuis le temps que je rêvais d'avoir cet échange avec toi, j'ai 1 milliard de questions à te poser, mais je vais plutôt aller à l'essentiel dans ce podcast. On tente de déconstruire nos schémas rédactionnels ancrés dans le patriarcat, ou à contrario, on tente de dénoncer le patriarcat grâce à nos schémas rédactionnels et à la lecture du premier tome des Chants de Loss. On a une héroïne, Lisa Beaufort, qui, dès le début, va vivre l'enfer. L'enfer est d'ailleurs le titre de ton 2e chapitre, c'est ça? Exactement. Ouais. Et c'est un enfer que les femmes ont pu vivre dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire, mais aussi peuvent vivre encore aujourd'hui, et ça parce qu'elles sont des femmes. Il y a aussi les chanteurs de Loss qui sont exploités, et là, tu nous dépeins en fait une société patriarcale, Axelle. C'est exactement ça, mais vraiment, pour ceux qui en douteraient, je l'ai fait exprès. Mais bien, j'ai pas réellement eu beaucoup de difficultés à avoir des sources comparatives et des sources historiques. C'était pas très difficile. Il suffisait de se renseigner un petit peu sur les différentes méthodes de l'esclavagisme et du traitement des femmes dans l'histoire. Et pour nos auditeurs, pas que dans l'histoire ancienne. Il y a certains éléments qui viennent directement de l'histoire contemporaine, pour arriver effectivement à avoir une petite idée de la manière dont pourrait être traité le personnage principal et sa sœur, donc Elena, à l'intérieur du roman, la manière dont deux femmes allaient être réduites en esclavage, asservies et littéralement dressées comme des animaux. Pour ceux qui se poseraient des questions sur les techniques et sur la description que je fais, une partie de celles-ci viennent tout simplement de ce qui se fait dans certains milieux de proxénétisme de nos jours, y compris en Europe. J'ai pas eu besoin d'inventer. Ça fait froid dans le dos. Très, très oui, ça calme. Hein. Alors évidemment, il y a des choses qui sont d'ordre plus fantastique. Le longori, qui est une technique absolument abjecte. Je crois que c'est le chapitre qui dérange le plus les gens quand ils lisent le premier tome, parce que c'est vraiment abject. Le longori, lui, est plus du domaine de la fiction. Mais remplacer les drogues employées par nos drogues actuelles, héroïne, MDMA, etc., kétamine. Et vous avez exactement la même chose qui s'est fait qui a été enregistrée au cours par exemple de témoignages, de procès, d'enquêtes judiciaires de nos jours, y compris en France. Je l'ai vraiment fait exprès. J'avais en fait une très très bonne source pour le faire, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui se faisait dans l'histoire au sujet de l'esclavagisme sexuel. Dans les Chants de Loss, Armante est une cité qui est considérée comme la lumière de la civilisation moderne, et tu insistes sur le fait qu'il est étonnant d'y voir des femmes à des postes importants qui enseignent la science. Tu dis qu'elles y sont libres, elles peuvent circuler librement, avoir des biens, elles n'ont pas besoin de l'autorisation de leur mari ou d'un membre masculin de leur famille pour avoir des dépenses, pour circuler librement. Donc, la condition des femmes dans cette cité, elle est le reflet d'un certain degré de progrès. Quelque chose que, en fait, nous, dans notre société, avec notre point de vue occidental, on pourrait dire. Mais paradoxalement, Armante, son économie et son pouvoir reposent sur le commerce d'esclaves et donc l'asservissement d'autres humains et des femmes. Exactement. Voilà. Et j'ai l'impression que là, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir une forme d'analogie sur l'hypocrisie de notre propre société occidentale, sur Armante. Comme dans la vraie vie, les femmes, elles y sont libres, tant qu'elles restent à leur place, en fait. Exactement. En fait, l'idée d'Armante, c'est la reprise de ce qu'était l'Italie de la Renaissance, du 15e au 17e siècle à peu près, avec l'apparition de plus en plus fréquente de femmes intellectuelles, de véritables femmes savantes, de femmes chefs d'entreprise, et dans certains cas de femmes chefs de famille et chefs de la noblesse. On l'a réellement noté dans l'histoire en Italie, mais ça s'est pas fait que là. Sauf que ce système avait une caractéristique, ça ne fonctionnait qu'à la condition que les femmes restent soumises à un certain nombre de codes et de dictates, rester à sa place, ce qui leur permettait en fait d'utiliser la limite entre tu restes à ta place et tu sors de ta place pour pouvoir gagner en pouvoir, en influence. C'est à partir du XVIIIe siècle que ce système s'est effondré quand un certain nombre de lois en fait s'est allé de pair avec la royauté absolue. On commençait à replacer le principe de les femmes couche-panier, elles ne peuvent être ni artistes, ni intellectuelles, ni chefs de guerre, ni artisanes, ni médecins, ce genre de choses-là, c'est pas possible. Mais on a eu effectivement une période de l'histoire où le paradoxe était effectivement que les femmes commençaient à gagner une égalité, non pas par une grande révolution, mais par une mutation de l'intérieur. Armante, c'est ça. Armante, c'est le moment où, dans l'univers des Chants de Loss, on a une ville, c'est une cité-État, et finalement une nation, la région entourant Armante, qu'on appelle l'Athémaïs, qui commence à suivre une mutation sociétale qui va de pair avec la découverte des sciences et une explosion des technologies industrielles, qui offre la possibilité individuellement aux femmes de prendre un peu plus d'ampleur. Mais nous sommes dans un système qui est traditionnellement esclavagiste. L'esclavage dans le monde de l'os, non seulement c'est un super business, mais en plus c'est un système de contrôle, et pas de contrôle que des femmes. À la base, l'esclavagisme a été créé en tant que système littéralement religieux pour contrôler les chanteurs de l'os. Toute personne qui est une femme, toute personne qui est rousse, toute femme qui est rousse est potentiellement un chanteur de l'os. C'est super dangereux, donc qu'est-ce qu'on fait? On les tue ou on les contrôle? Bon, on va essayer de les contrôler plutôt que de les tuer parce que sinon on va se retrouver avec des pogroms, genre de choses-là. Et cela a encouragé en fait le système de l'esclavagisme. Il faut savoir que l'esclavagisme, pour les êtres humains, ça allait de soi jusqu'à la fin du 19e. Et encore, en Occident, oui, l'esclavagisme est considéré comme monstrueux, mais on a encore un certain nombre de cultures et de nations dans le monde pour qui l'esclavagisme, je dirais, c'est pas un problème. Il y a même certaines personnes qui vous expliqueront que c'est bien, c'est économique et social. Oui. Plutôt que d'avoir des indigents qui traînent dans la rue et puis des familles pauvres qui sont ruinées, instaurons un système d'esclavagisme où les parents peuvent vendre leurs enfants sur numéraire, où une personne qui traîne dans la rue, malheureuse et crevant de faim, on la chope, on en fait un esclave, il devient utile à la société. L'idée est abjecte. C'est en ça qu'est construit un monde comme Armante. Cette ville considère l'esclavagisme comme utilitaire. Quand on est dans un ensemble de nations et de cités-États qui se font la guerre, où on se retrouve avec des prisonniers, des réfugiés, ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on les asservit, ils deviennent utiles à la société, plutôt que de les massacrer. Le pire, c'est qu'un Armentien dira « mais non, c'est humain l'esclavagisme. Vous voudriez pas qu'on les tue non plus. » Tu vois la logique? Ouais, je vois la logique. C'est une société que tu décris comme Da Vinci Punk. Alors le Da Vinci Punk, c'est un néologisme qui a été créé par Stéphane Gallet, mon ami, collègue et grand frère. Mais en fait, le mouvement littéraire s'appelle en anglais le clock punk. Et l'idée, en fait, c'est d'imaginer que la révolution intellectuelle et scientifique de la Renaissance est allée de pair avec une révolution industrielle. Parce que les inventions et les idées de gens comme Léonard de Vinci, justement, ne fonctionnaient pas à l'époque où il les a eus parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques permettant de les mettre en œuvre. Et là, maintenant, voilà, là, effectivement, dans le monde des Chants de Loss, c'est le cas. Mais le contexte historique, par exemple, pour en revenir à l'esclavage et aux inégalités, est un contexte historique qui est directement inspiré, là encore, de l'Europe de la Renaissance, puisque c'est à peu près à l'époque à laquelle se passe le jeu. Même si on est sur un univers totalement différent, sur une autre planète, je précise pour les gens qui nous écoutent, on n'est pas du tout sur Terre, mais on utilise effectivement les mêmes références, et ces références, en fait, ça mettait en exergue ce que nous avons fait et ce que nous avons parfois oublié de notre propre histoire. La manière dont les gens pensaient à l'époque, la manière dont ils pouvaient rendre acceptable ce qui nous est inacceptable, ce qui, en fait, devrait d'autant plus maintenant nous révolter en pensant que les mecs, ça fait 4 siècles, on a peut-être un petit peu évolué depuis, quoi. Il serait temps qu'on évolue vraiment. C'est vrai qu'on a une perception de cette période de la Renaissance qui est quand même vachement biaisée par les penseurs des Lumières, par exemple, qui décrivent cette période. Et ça me fait penser, justement, que la condition des femmes pendant cette période, elle s'est quand même largement dégradée par rapport au Moyen-Âge. Alors, en fait, la condition des femmes, n'a jamais cessé de fluctuer. C'était plus ou moins en fonction de la pression et des influences religieuses. Et là, si j'en parle, c'est parce que la religion a un poids assez certain dans cet univers de fiction. J'ai créé une église toute puissante qui s'appelle l'Église du Concile divin. La référence est évidente, hein. Oui, on a compris. Le fait est que à chaque fois que les femmes commençaient à gagner en indépendance et en pouvoir, des lois ou des codes inspirés par le pouvoir en place et par la religion était absolument d'accord de filer un coup de main dans ce genre de choses-là, les remettaient en fait, comment dirais-je, à la marge, c'est-à-dire souvent au statut d'être inférieur, de mineur du point de vue légal, ce genre de choses-là. Et ça s'est absolument pas arrêté à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. La Renaissance a connu un renouveau de la liberté des femmes, toute relative, hein. Mais n'empêche que c'était un renouveau qui s'est arrêté au XVIIIe siècle avec le système des royautés absolues, où là on a remis tout le monde à sa place et les femmes sont rentrées dans la minorité. Système qui s'est effondré avec la Révolution, dont la Révolution française, et qui a été très 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 vite calmé au moment où les femmes reprenaient enfin leur pouvoir et dans une certaine mesure leur autonomie, avec l'arrivée de Napoléon et le Code civil français, qui a été copié un peu partout en Europe, qui, encore une fois, remettait les femmes à l'état de mineurs n'ayant absolument leur mot à dire sur rien. C'est un système qu'on appelle le backlash, en fait. C'est un retour du bâton. À chaque fois que les femmes ont pris de l'indépendance, ont gagné du terrain sur l'égalité sociale et sur l'égalité juridique, il y a eu un retour du bâton de la part du patriarcat qu'on appelle le backlash. C'est exactement ça. Il ne faut pas imaginer qu'au Moyen-Âge, le sort des femmes était nul et puis qu'il s'est amélioré au fur et à mesure jusqu'au XXe siècle. Non, il s'améliorait régulièrement, s'en reprenait une dans la tronche, passait un moment à s'en prendre plein la tête, puis s'améliorait de nouveau, puis se faisait backlasher, comme tu le dis, et c'est un cycle. Ça a toujours été un cycle. Et nous, bah, aujourd'hui, on continue à vivre ce cycle, en fait. C'est vraiment ancré dans le patriarcat, finalement, parce que, ben, avec MeToo, les femmes ont témoigné sur Internet. Il y a eu une avancée sociale énorme qui s'est effectuée. Et on a vécu un backlash. C'est immédiatement après. Immédiatement après. Le backlash à une échelle, je dirais, une échelle géopolitique généralisée, a lieu à l'heure actuelle. Sous nos yeux, c'est-à-dire que après l'essor des luttes féministes et la dénonciation de toutes les saloperies sexistes possibles et imaginables dans tous les domaines, qui a atteint son apogée à peu près vers 2018, le backlash est arrivé quasiment en un an. Ah oui. Ah oui. Ce n'est pas pour rien que tu te retrouves avec, à la tête de grandes nations, des gens comme Bolsonaro, Trump. Ouais. Il y a quand même une quantité de gens qui trouvent que Zemmour fera un bon président. Et le backlash est arrivé très très vite. Pourquoi? Parce que soudainement, le patriarcat s'est senti menacé. Et dès l'instant où ils se sont menacés, il intervient pour tout arrêter. Sachant que, depuis les débuts de l'histoire, le patriarcat a une caractéristique. Il a le pouvoir. Oui. C'est-à-dire l'argent. Le vrai pouvoir n'est pas politique. Le vrai pouvoir, c'est influencer la politique avec le pognon que tu as sous la poche. Et le backlash, on est en train de le voir. Le backlash, pour un petit peu informer nos auditeuristes sur ce terme, c'est la conséquence que les féministes vivent, donc le retour du bâton du patriarcat, à chaque fois qu'il y a une avancée sociale. Donc à chaque fois, il y a eu, disons, en fait, un retour en arrière après chaque avancée sociale gagnée par le féminisme. Mais n'empêche que c'est parfois largement suffisant pour avoir l'impression qu'on va repartir 20 ans en arrière. Nos droits sont toujours remis en question, hein. Il n'y a qu'à voir à chaque fois les points de vue sur l'avortement, ce genre de choses. Hein. On remet systématiquement nos droits fondamentaux en question. Il faut se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Axelle, tu es également l'autrice de Singularité. Yes. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de Singularité ? Il n'y a aucun problème. Surtout que normalement, alors on a du retard, mais le kit de découverte devrait arriver. Alors avec retard, mais on va dire qu'on espère le sortir début février. Alors, pour commencer, ben comme pour Les Chants de Loss, je ne l'ai pas créé, je suis l'une des co-autrices. Yes. Les Chants de Loss, c'était Émilie Latiel et Alizée Laurentant. Là, c'est toujours Alizée Laurentant, ma compagne. Donc en général, on crée à deux. Et Sébastien Louchard, un ami qui est un ingénieur en physique des matériaux et qui est aussi un collapsologue. Et c'est un jeu de rôle de science-fiction fantastique sur la mouvance littéraire qu'on appelle le solarpunk. Alors le solarpunk, c'est très exactement la définition opposée au cyberpunk. C'est-à-dire que plutôt que d'imaginer un monde futur où les technologies et tous les défauts humains sont exacerbés et en fait mènent le monde à la catastrophe, là nous sommes dans un monde où les technologies et les qualités humaines sont celles qui en fait tentent de mener le monde vers une utopie. Ah là, le solarpunk, effectivement, décrit des univers, des événements, des histoires où l'humain essaye de trouver le moyen, grâce à ses qualités, l'altruisme principalement, le partage, la générosité, mais aussi grâce aux technologies et à ce qu'elles peuvent apporter de bon, d'arriver à régler tous les problèmes qu'il a vécu par le passé. Donc c'est un mouvement de science-fiction. Et assez fréquemment, effectivement, il décrit, je dirais, comment on va essayer de survivre à toutes les catastrophes que nous avons fait entre le 20e et le 21e siècle. Et survivre de manière intelligente, c'est-à-dire en bonne entente avec l'ensemble des civilisations, des cultures, des genres, mais aussi avec la Terre elle-même, avec le biotope, avec l'écologie, ce genre de choses-là. Singularité se passe dans ce cadre-là. Tu es une créatrice qui se documente énormément. On en parlait en privé juste avant cette émission. Ou alors, tu t'entoures de personnes qui sont extrêmement documentées sur leur sujet. Pour ce jeu de rôle, Singularité, tu travailles avec un collapsologue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la collapsologie ? Alors, la collapsologie, ce n'est pas une science. C'est ce qu'on appelle en fait un domaine de prospective, c'est-à-dire un collège de connaissances scientifiques, l'économie, la culture, l'écologie, les sciences physiques, qui étudient la manière dont s'effondrent les systèmes. L'effondrement d'un système, par exemple, c'est comment un champ cultivé selon des méthodes d'agriculture moderne va finir par s'épuiser. À quelle vitesse ? Et quelles sont les conséquences de cet épuisement à l'échelle du champ, mais à l'échelle, par exemple, d'une agriculture entière et donc d'un modèle agricole. Et de quelle manière on peut arrêter cet effondrement. La collapsologie, c'est la résultante à l'heure actuelle, par exemple, des études sur la modification du climat. Qu'est-ce que le réchauffement climatique global induit comme modification à l'échelle du biotope complet, mais aussi comme modification à l'échelle géopolitique. On peut déjà constater, et la collapsologie a permis de pouvoir effectivement expliquer les tenants et les aboutissants, on peut déjà constater par exemple qu'un grand nombre de migrations économiques sont des migrations climatiques. Le fait est que beaucoup de gens sont en train de quitter leur territoire et d'essayer de trouver à vivre ailleurs parce que leur territoire devient tout simplement impropre à la culture, impropre à la vie. C'est l'ensemble de ces phénomènes-là que l'on appelle effectivement la collapsologie. Et Sébastien Louchard est effectivement un collapsologue, donc c'est une chose qui l'intéresse énormément. Pourquoi est-ce qu'il est venu à ça? C'est parce que l'histoire de singularité commence par un effondrement. Ça commence par une catastrophe naturelle absolument inimaginable. Et à partir de là, cette catastrophe peut aller à une quantité de scénarios différents. Quand moi j'ai commencé à écrire la manière dont ça se produisait, il est venu regarder et il m'a dit « Alors, ça s'effondre comme ça s'effondre comme ça s'effondre comme ça. On en arrive à cette situation-là. Et à partir de cette situation-là, comment est-ce que l'humanité pourrait remonter la pente et dans quelle mesure elle va pouvoir progresser? Quelles sont les nouvelles sciences qui vont réapparaître? Quelles sont les nouvelles industries? De quelle manière ça va affecter la culture, les mentalités? À quel point l'humanité va devoir redéfinir des concepts de base qui ont forcément été défoncés par une extermination quasi totale? Et c'est là où intervient mon amour pour la documentation et le fait d'essayer de m'entourer de gens qui connaissent les sujets que j'aborde mieux que moi, de manière à me conseiller. À la lecture du coup de la définition de la collapsologie, je ne peux pas m'empêcher en fait de penser à Simone de Beauvoir et de cette citation où elle dit de mémoire « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, religieuse ou économique pour que les droits des femmes soient remis en question. » Qui est exactement ça, qui fonctionne d'ailleurs pour littéralement tous les droits humains. Ceux des femmes étant ceux qui sont en avant, mais ceux des minorités, c'est la même chose. Ceux des LGBT, pareil. À l'instant, tu as une crise inclut qu'il faut trouver un responsable à cette crise, un bouc émissaire, et qu'il faut reconcentrer le pouvoir. La reconcentration du pouvoir veut dire le retirer à d'autres. À un moment ou à un autre, effectivement, dans la liste des personnes à qui on va retirer des droits et du pouvoir, les femmes en font forcément partie. Dans Singularité, ça n'a pas été le cas. Enfin, en l'occurrence, ça a failli être le cas, ça ne l'a pas été. Oui, parce que du coup, là, dans Singularité, tu prends un petit peu le problème à revers, c'est-à-dire que généralement, quand on parle de collapsologie en littérature, on va plutôt décrire des dystopies. Et là, on est plutôt loin de la dystopie, on est carrément dans l'utopie, tu es dans la proposition en fait de solutions finalement. C'est ça. Pour résumer, ça se passe au XXIIIe siècle, histoire qui est réellement un intérêt à jouer dans un univers qui est presque utopique. Il faut savoir qu'il ne l'est pas. C'est une quasi-utopie ratée, c'est-à-dire que c'est une utopie qui justement essaye d'arriver à se fonder, malgré beaucoup de difficultés, au travers de crises qui la remettent en question, évidemment. L'expression de quasi-utopie ratée vient d'Alizée Laurentant pour décrire la situation au XXIIIe siècle. Et en fait, c'est un monde qui, pour arriver à survivre, sachant que on part à la fin du XXIe siècle à moins d'un milliard d'habitants, oui, a littéralement remis en question l'ensemble des rapports humains qui gouvernent la nouvelle humanité. Le premier rapport humain qui se soit fait défoncer, c'est celui à la religion, qui a été littéralement interdit pendant pratiquement un siècle. Les religions se sont faites laminer, c'est-à-dire qu'elles ont d'abord disparu militairement. Il y a eu une guerre au cours duquel deux groupes, l'un des groupes était un groupe religieux, s'est fait exterminer. Les grands symboles religieux se sont tous fait défoncer les uns derrière les autres. Ensuite, légalement, que cette religion a été interdite de toute activité publique. Ensuite, c'est de quelle manière on va permettre à l'humanité de se relever dans un monde qui est totalement dévasté, qui doit être remis en état, parce que malgré le fait qu'on ait une catastrophe au XXIe siècle, le réchauffement climatique, lui, a continué et est devenu une deuxième catastrophe, qui en a provoqué d'autres. Et avec si peu d'humains, j'ai imaginé qu'en fait, c'était l'entraide et l'altruisme qui avaient prédominé. C'est-à-dire que malgré des intérêts particuliers, c'est l'intérêt général qui a été toujours mis en avant pour essayer de trouver une solution. Là, j'entends les petites voix extérieures qui disent « Ouais, bande de communistes !» En fait, en l'occurrence, le monde lui-même n'est même pas communisme. Il a développé un système politique qui ressemble en fait à du capitalisme social, c'est-à-dire l'idée que le capitalisme lui-même est intégré dans le système politique comme faisant partie de la protection sociale des individus et des groupes. Donc, même les capitalistes pensent avant tout à se poser la question de quelle manière servir l'intérêt commun peut servir mon intérêt personnel. Donc on a un univers où le dividende universel est plus ou moins généralisé, où l'éducation, les transports en public, la culture, la santé sont en général gratuits, où grâce au dividende universel, les gens peuvent choisir leur boulot et ne sont pas paniqués à l'idée de le perdre, un monde où finalement les organisations syndicales et organisations non gouvernementales ont du pouvoir parce que le dividende universel leur permet de pouvoir plus facilement appuyer leurs revendications que si par hasard tu te retrouves en grève pendant 3 mois sans être payé, etc., etc. Un monde qui a fondé l'égalité des humains, tout genre, toute ethnie, toute culture confondue, comme étant un absolu. Si par hasard tu autorises le torse nu dans un parc, tu l'autorises à tout être humain. Oui. Tu ne peux pas faire d'exception. Oui. C'est donc si par hasard t'as une plage où est autorisé le monokini, tu peux te mettre en slip pour tout le monde. La nana qui est torse poil, elle a tout à fait le droit et ça ne pose aucun problème à personne. Oui, oui, oui. C'est QFF. Et on est allé très 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 loin sur ce genre de principe-là et sur la manière dont cela affectait les civilisations, les sociétés, et aussi à quel moment il y avait forcément une résistance à cela. D'où le fait, effectivement, qu'on a un univers qui a beaucoup d'intérêt, puisque il y a quand même un certain nombre de nations et de cultures qui ne veulent pas entrer dans ce système-là et qui résistent de leur mieux. Résultat, on se retrouve en fait avec 2 grands blocs, le bloc progressiste et le bloc réac, pour oser dire les choses un peu vulgairement, qui se regardent tous les deux en chien de faïence en se demandant quand est-ce qu'on commence la guerre. Il y a un backlash qui n'arrive pas à fonctionner à une échelle géopolitique généralisée. C'est un backlash qui ne concerne que les gouvernements, que les nations qui refusent de poursuivre cette voie vers le progrès et l'utopie. Donc en fait, on se retrouve effectivement avec Avec l'idée qui ferait rire beaucoup de gens, qui est que on n'a pas un monde où on a les capitalistes contre les communistes, on a un monde où on a les progressistes contre les réacs. Ce qui forme effectivement deux blocs qui se regardent l'un et l'autre, le bloc progressiste étant le plus puissant, mais pas forcément le mieux armé. Ce qui donne un univers dont on sent réellement que cette utopie fragile, dans un monde très très fragile, parce que on est au 23e siècle, le réchauffement climatique a provoqué beaucoup de dégâts, on n'a que 2,5 milliards d'humains, les humains sont allés dans l'espace, ils ont commencé à découvrir d'autres planètes et ils sont tombés sur une civilisation extraterrestre hostile, donc ils ont un problème de guerre lointaine, mais qui est un problème bien réel, qui a eu l'avantage de souder encore plus les humains, sauf que c'est pas suffisant pour souder tous les humains autour d'une cause commune. Et à ça, on rajoute le côté fantastique. Le côté fantastique, c'est que c'est un univers où les phénomènes paranormaux ont commencé à apparaître à partir du début du XXIe siècle, et augmente en intensité. Ça peut aller de la maison hantée, du fantôme bizarroïde, en passant par l'apparition de zombies ou de loups-garous, etc. Enfin, je schématise un peu. Ce qu'on appelle les Twilight Zone, nommées d'après la série du XXe siècle, hein, c'est fait exprès. Super. Et ces phénomènes paranormaux, ces Twilight Zone, inquiètent beaucoup de gens, créent beaucoup d'instabilité dans un monde qui a à tout prix besoin d'avoir une stabilité, un équilibre pour parvenir à l'utopie. Ils n'ont pas le choix. Si l'humain veut survivre, elle doit arriver à la paix. C'est exactement ça l'objectif. Et ce que jouent les joueurs, ce sont les Schattenjäger, terme allemand qui veut dire chasseur d'ombre. Les Schattenjäger sont en fait les enquêteurs spécialisés dans la résolution des problèmes créés par les Twilight Zone. J'ai le smile jusqu'aux oreilles à écouter du coup le synopsis de cet univers. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Sincèrement, ce sera peut-être pour moi une première de jouer à un jeu en fait qui ne propose pas en fait dans une situation de fin du monde une dystopie un peu à la Mad Max. Moi je pense généralement à ça en fait quand on parle de fin du monde. Oui. Et là du coup c'est une nouvelle proposition et j'ai hâte, vraiment hâte de rencontrer cet univers. Axelle, merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Axelle, on peut te retrouver sur Patreon. Oui, j'ai un Patreon. C'est pas comme si la vie d'illustratrice et de créatrice de jeux de rôle rendait riche, hein. Le Patreon en question, c'est une proposition de fournir en fait aux gens qui s'abonnent quelques-unes des illustrations que je fais tous les mois en HD, d'avoir des PDF, des articles de jeux de rôle que j'écris, de chapitres de bouquins, etc. C'est-à-dire que, en fait, ce que les gens ont, c'est l'ensemble de ce que je construis, de ce que j'écris tous les mois, mais de manière privilégiée, envoyée chez eux, avec de temps en temps quelques cadeaux qui sont exclusifs. C'est pas beaucoup de cadeaux exclusifs, mais de temps en temps il y a des trucs qui sont absolument uniques. Et puis sinon effectivement c'est l'avantage, tous les mois t'as un petit fichier, enfin un petit dossier avec plein de choses dedans pour te faire plaisir. C'est à ça que ça sert. Et puis pour les gens qui sont allergiques à Patreon, j'ai un Utip où là effectivement les gens versent une somme occasionnelle ou s'abonnent. Vraiment pour filer un coup de main, je dirais, en étant mécène, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui n'attendent pas forcément de contrepartie, mais qui veulent m'aider, me remercier, faire un geste pour tout ce que je peux créer et ce que je peux offrir, sachant que moi j'aime bien partager mon travail. Alors oui. Non seulement j'aime bien partager mon travail, mais en plus c'est le cas pour Singularité, c'était le cas pour les Chants de Loss, le jeu de rôle. Proposer une grande partie du contenu du jeu de manière gratuite pendant la création du jeu, donc c'est les fichiers bêta, permettait aux gens de découvrir le jeu et de se faire une idée qui leur donne envie de l'acheter. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. merci à toi, Axelle. Merci beaucoup. Merci pour le bavardage. Et puis, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Vous pouvez également, si vous le désirez, soutenir l'émission sur mon Patreon également. Je remercie d'ailleurs les contributrices Emmanuel Garbi, JPD et Benoît Castello. Retrouvez cet épisode également sur les plateformes de podcasts comme Spotify, iTunes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Tribune des Vagabonds du Rêve, partenaire de l'émission Fictifem. C'était Nydenlafee dans Fictifem. Prenez soin de vous. Laissez-nous un petit pouce en l'air si vous avez aimé l'émission et laissez-nous également un petit commentaire. Restez cordiaux et je vous embrasse. À bientôt. Bye.